Il y a ce grand mystère que nous appelons être humain. Qui est un peu le sens de cette œuvre, le mariage du divin et de l'humain. Et nous apprenons à concilier cette dimension de nous qui est absolue, intouchable, inaltérable, que rien n'a jamais altéré et ça ne se fera jamais dans le futur. Pendant un certain temps, on s'intéresse à l'humain, à ce qui bouge, à ce qui se transforme. Et ça existe. La violence peut se transformer en danse sous certaines conditions. Et la danse peut se transformer en violence si on met le pied sur celui de son partenaire. C'est le jeu de la vie. Avec un nombre infini de possibilités. Et nous, les humains, nous vivons ces transformations permanentes. Et il y a au cœur de nous quelque chose qui ne se transformera jamais, qui n'est pas né, qui ne mourra pas. Dans un premier temps, on prend conscience que ces deux dimensions, le non-manifesté et le manifesté, existent. Qu'ils ne sont pas en opposition et qu'il y a quelque chose d'incomplet dans le fait de s'intéresser que à l'humain, au matériel, à ce qui change, à ce qui naît et meurt. Ou de s'intéresser surtout à l'absolu, comme j'en ai parlé ce matin dans une précédente vie de David Hawkins, où il était un grand bouddhiste et qu'il était complètement dans la vacuité. OK, là, on peut faire l'expérience de l'un et de l'autre. Maintenant. On veut les marier. Alors, on pourrait parler de nombreuses façons de vivre cette union. Notamment, quelque chose de très simple, tu vois. Je m'assois en méditation et simplement, je regarde si je sens bien mes pieds. Et si je peux éventuellement percevoir mes racines qui descendent profondément à la terre, parce qu'on est trop dans le mental, alors on commence par descendre, 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 et j'habite mon corps, et je respire, et comme je le fais avant chaque méditation, connexion à la terre, connexion au cosmos, reliance dans le cœur. Et là, je suis un petit peu mieux préparée pour une méditation. Et là, j'ai appelé la présence dans le corps. Le corps, c'est de la matière, la présence, c'est de l'être. Déjà, la présence est au bon endroit, plutôt que d'être perché complètement en haut. Et si je tourne mon attention vers le silence, et je descends, j'approfondis ce silence, et j'invite mon mental à descendre dans le silence, et toutes mes émotions, tu vois, et plus on descend profondément, c'est curieux, mais plus je descends, plus je m'élève. Et s'élever sans descendre, je risque de décrocher. Ça ne marche pas. Juste en haut, ça ne marche pas. Donc, en descendant, je suis bien enracinée, je suis bien dans les profondeurs de mon être, et là, je m'élève. Et après avoir au moins un peu goûter ce silence. Quand je parle, mes paroles sont de lumière.
Le silence ou l'être ou la source, la conscience, quand je leur permets, notamment par rapport avec la méditation, je les fais descendre en moi, dans mon corps physique, comme on le fait hier dans tous mes corps subtils. Après, je les marie et après, je partage l'union de l'un et de l'autre. Les paroles qui sont du manifesté viennent de la lumière. Les gestes sont gracieux parce qu'ils sont portés par l'être et non pas par le mental où les gestes sont saccadés. Tu vois? Et c'est comme ça que, notamment avec la méditation, avec tous les nettoyages qu'on fait, tout le travail, on fait descendre cette lumière, l'être, qui n'est pas vraiment de la lumière, par ailleurs, mais on appelle ça comme ça parce que c'est de la conscience, en fait. Et ça descend, et ça descend, et ça s'approfondit de plus en plus. C'est comme ça qu'on peut, au quotidien, vivre l'union du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, ici et maintenant, dans cette réalité. Ça te parle? Oui, d'appeler la présence dans le corps, oui, Oui. beaucoup. Ben oui. Oui. La présence, le silence, pour que après, quand tu es habité par cette présence, tes gestes sont gracieux, tes paroles, c'est lumineux, ton regard est aimant. Tu vis au quotidien cette union et tu l'offres aux autres. Et parfois, on se rend compte que c'est bloqué, ça ne veut pas descendre, ou le mental est trop présent. Il y a des moments où c'est plus difficile. Alors, on recommence jusqu'à vivre de façon plus intense, plus consciente, et à chaque instant, cette union du divin et de l'humain, qui est en fait la traduction de yoga, c'est union au divin. Ce n'est pas gymnastique pour s'assouplir. Le vrai yoga, c'est vivre l'union de l'humain et du divin. C'est pour ça qu'on est ensemble. Merci à toi.